Alors, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien ce beau vendredi du mois de septembre. Ça fait un petit bout qu'on s'est vu. En fait, ça remonte au 21 juin. Donc, horaire, pas horaire, mais été très chargé de mon côté, autant professionnel que familial. C'est sûr qu'il y a eu les vacances, donc période de vacances, normalement, j'arrête. Et c'est ce que j'ai fait, comme vous pouvez le constater, presque 3 mois qu'enfin on s'est vu. J'avais hâte de recommencer. En fait, ça fait 2 vendredis que j'essaie de recommencer, mais horaire fait que c'est impossible. Et même aujourd'hui, à la dernière minute, est arrivé un petit pépin. J'ai dû déplacer l'horaire. Donc, j'espère que ça vous dérange pas trop aujourd'hui. Je vois qu'il y a quand même 5 personnes de connectées. Merci, merci à ceux qui sont là en direct. Toujours le fun d'avoir des gens en direct aussi lors de mes présentations. Donc, comme je disais, horaire spécial aujourd'hui. En fait, hein, pour vous raconter la petite histoire en arrière de ça, ma fille qui s'est entraînée en course depuis quelques semaines, que ça fait des années que j'essaie de la convaincre de courir et dernièrement, elle s'est mise à la course et elle fait partie des finales de son école aujourd'hui. Elle court à 12h50, donc je vais aller la rejoindre pour aller l'encourager. Si elle finit dans les 10 premières, elle va représenter son école au final régional. Fait que pour une fois qu'elle court, je veux l'encourager. Donc, c'est pour ça que j'ai dû déplacer mon horaire. Côté été, ben écoutez, on a eu une super été. De mon côté, j'ai entraîné l'équipe de ma fille au soccer. En fait, ça fait plusieurs années que je fais ça. Et j'adore ça. Cet été, on a eu vraiment une super équipe. Des filles hyper impliquées au soccer, hyper motivées, super sympathiques. Avec les parents aussi qui se sont impliqués beaucoup dans l'équipe. J'ai vraiment, vraiment adoré la saison de soccer cette année. Donc, ça fait passer l'été très rapidement, par contre, je vous laisse deviner. Et aussi les vacances, on est parti 3 semaines à l'extérieur, un petit tour en Floride encore une fois. Donc, ça a été super. Côté professionnel, eh bien, je pense que je vous apprends rien. Je vous apprends rien puisque la transaction avec IBM a été confirmée le 9 juillet exactement, en plein milieu de mes vacances. Donc officiellement maintenant, Red Hat est une compagnie d'IBM. Très rapidement, vous parlez un petit peu de ce qui se passe en ce moment avec eux. En fait, on n'est plus surveillé sur ce qu'on dit. En fait, il fallait faire attention à ce qu'on disait avant que la transaction se ferme. Maintenant, on est libre un peu de dire ce qu'on veut. Donc c'est bien d'avoir enlevé cette barrière-là. Et on a commencé les travaux avec IBM. En fait, je rencontre régulièrement les équipes d'IBM de Québec et Montréal sur les différents, pour parler des différents comptes, qu'est-ce qu'on fait dans les comptes clients. Donc, ce que ça nous a donné pour l'instant, c'est beaucoup plus de meetings avec IBM et ça dans le but de répondre peut-être de façon plus efficace aux clients. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble et comment on va présenter ça aux clients. Donc, vous allez voir des événements qui s'en viennent avec IBM. Donc, vous allez voir le résultat de cette fusion-là là, très prochainement. Donc, on a déjà fait des annonces pendant l'été, d'ailleurs, à ce sujet-là. Donc, un petit rappel avant peut-être d'embarquer dans les sujets d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion. Pour ceux qui c'est la première fois qui m'écoutent, j'ai une liste de diffusion. Vous m'envoyez un courriel à mlessard@reda.com qui est juste écrit ici en haut. Donc, vous marquez dans le sujet abonnement Twitch. Donc, vous allez recevoir des courriels quelques jours avant mes diffusions et la journée même avec un récap de ce qui va se dire pendant mes diffusions. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai mon canal YouTube aussi sur lequel, je vais le copier dans le chat ici, à titre de référence, donc sur lequel tous mes vidéos sont archivées. D'ailleurs, ça, peut-être une petite note, hein, très importante ici. Je tiens de un à m'excuser. Les 2 dernières vidéos que j'ai fait, que j'ai archivées, en fait, celle du mois de juin et celle du mois de mai, si je me souviens bien. En début d'épisode, vous avez entendu, je mets de la musique. Et les 2 derniers, j'ai essayé de faire un changement, un petit peu mettre de la musique un peu plus au goût du jour. Pas au goût du jour, je dirais, mais plus connu, du moins. Et ce qui s'est passé lorsque je transférais mes vidéos de Twitch vers YouTube, YouTube a un algorithme qui détecte la musique avec des copyrights. Mais la section qui est utilisée avec la musique en mute. Malheureusement, leur algorithme n'est pas parfait.
Donc, en fait, le mute a duré un petit peu plus longtemps que la musique. Donc, ce qui fait que les premières minutes de mon épisode sont en silence. Donc, ce n'était pas un problème de micro cette fois-là. C'était vraiment un problème. C'est YouTube, en fait, qui a coupé, qui a enlevé une bonne section de mes vidéos archivées. Donc, j'en ai deux. J'ai mis en référence dans la description, pour votre information, le temps où ça commence, où on m'entend parler pour les premières minutes. Donc, si vous voulez revoir les épisodes, vous allez en manquer un petit bout, mais au moins, sachez que ça n'a pas affecté tout mon vidéo au complet. Donc, je sais que ça ne fait pas très professionnel, mais c'est hors de mon contrôle. En fait, je ne peux pas rétablir ça du tout du côté. Il faudrait que je refasse les vidéos tout simplement. Donc, par contre, ce que j'ai fait pour celui-ci, je suis retourné avec la musique libre de droit, tout simplement, là, pour éviter que pareille situation survienne. Donc, désolé encore pour ceux là, qui m'ont regardé en rediffusion et qui ont vu cette petite problématique-là. Donc, et sur YouTube, ben, vous pouvez commenter, poser des questions, alimenter, en fait, mes vidéos si vous avez des informations supplémentaires. Je sais qu'il y en a qui ont commencé à le faire, super apprécié, puis n'hésitez pas à liker aussi sur YouTube. Donc, c'est un peu notre paye, c'est un peu ma paye, en fait. Encore une fois, je ne suis pas vraiment payé pour ce que je fais là. Vous allez dire, oui, tu fais de la promotion de Red Hat, effectivement, mais j'essaie de faire ça sur l'heure du dîner. Pour vous accommoder, mais aussi pour faire ça un petit peu en dehors de mes heures de travail. Donc, ça va. Donc, prochain sujet. En fait, ça, comme je fais à chaque épisode, je parle un petit peu sur quoi j'ai travaillé. Donc, je vais juste mettre à jour le titre ici en haut à votre gauche. Oui, c'est bien à gauche. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai travaillé depuis 3 mois. Je pense qu'on pourrait faire l'épisode au complet sur ça. Juste. Les highlights un petit peu sur quoi qui est intéressant, qui pourrait vous intéresser aussi. Donc, tout d'abord, j'ai travaillé pendant l'été et tout récemment une réponse à un RFI au CSPQ sur le cloud privé. Donc, le CSPQ regarde pour construire un cloud privé pour le gouvernement. Donc, j'ai répondu avec mon équipe à ce RFI-là et cette semaine, on est allé présenter notre réponse. Pourquoi je vous parle de ça? D'un, c'est le fun de voir que le CSPQ veut mettre ce genre de technologie en place. Donc, on a répondu bien sûr avec OpenStack. De mon côté, ça m'a permis de replonger un petit peu dans OpenStack. Les use cases OpenStack, il ne faut pas se le cacher, ils ne sont pas énormes. Donc, c'est très pour les gens qui veulent bien sûr construire des clouds privés. C'est l'outil par excellence. Donc, c'est ce qu'on est allé discuter avec eux. De notre côté, ça nous a permis de monter un lab. Parce on tenait vraiment à faire une démo, hein, une démo OpenStack, ça parle beaucoup. Donc, on a monté un lab. En fait, mon collègue Martin Ouimet a monté le lab sur OVH, donc dans des machines dédiées. Donc, on a monté un gros lab que je compte utiliser pour mes démonstrations prochainement. Donc, un lab qui contient Rev, OpenStack, Ansible, Tower, bien sûr, CloudFormation, Gloster et Satellite. On va aussi rajouter par-dessus très prochainement OpenShift 4. Puis je pense qu'il y a 2 instances maintenant d'OpenStack aussi. Un bon lab qu'on a monté. Ça marche super bien. Encore une fois, ce RFI-là nous a permis de se remettre dans OpenStack puis monter quelque chose de plus complet. Et je l'ai mentionné tantôt, bien sûr, j'ai eu plusieurs réunions avec IBM, que ce soit à Québec, à Montréal, donc grâce à cause de l'acquisition. Donc, vous allez nous voir faire plus d'activités avec IBM là, dans les prochains mois. Donc, c'est en gros ce que j'ai travaillé dernièrement, je vous dirais, là, pas nécessairement pendant l'été, mais des choses intéressantes qui s'en viennent. Donc, prochain sujet, c'est les prochains événements. Et là, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, en fait, des primeurs pour vous, parce que je pense qu'il n'y a rien de ça encore qui a été annoncé. J'ai travaillé cette semaine à l'agenda de l'automne, donc beaucoup d'événements qui s'en viennent. Donc, prendre le temps de faire ça, faire le tour avec vous. Et en même temps, c'est une primeur, vous êtes les premiers à entendre parler de ces événements-là. Tout d'abord, avec IBM, premier événement conjoint où on rencontre les CTO ici à Québec. Donc, c'est sur invitation seulement. Donc, on va parler. IBM, en fait, c'est IBM qui lead cette rencontre-là. C'est une avant-midi. Mais on va être là, on va les accompagner. Je vais être là avec mon collègue Martin Sauvé. Donc, on va parler à haut niveau, donc rien de très deep, mais de ce qu'on fait ensemble, de ce qu'on fait bien ensemble. Il y a beaucoup de choses autour d'OpenShift. Donc, c'est le 5 octobre en matinée. Si ça vous intéresse, c'est pour les CTO, donc les haut placés chez vous, les dirigeants. Envoyez-moi un courriel tout simplement, puis je vais vous faire suivre l'invitation. Les rogues, c'est quelque chose que j'ai travaillé assez fort dans les dernières semaines à céduler, à organiser les rogues.
Donc, à Québec, je vais commencer, tu sais, à Montréal, ça va être le 3 octobre. La date est tombée, je pense, voilà une heure. Donc, le 3 octobre prochain, ça va être pour faire suite, en fait, ceux qui sont venus à Montréal, qui ont participé à l'événement de sécurité qu'on a tenu en août. Donc, on va faire un workshop sur le DevSecOps, donc avec OpenShift, bien sûr, dans le lot. Mais si ça vous intéresse, surveillez la page du Rogue. Éventuellement, je vais annoncer l'événement. C'est que j'ai eu la date ce matin. Et l'endroit, ça va être à l'hôtel, je crois que c'est au Sheraton à Montréal. Je vais juste le prendre en note ici, là, Sheraton. J'ai oublié de le prendre en note. Donc, c'est tombé ce matin. Le Rogue de Québec, dans celui-ci, va être une semaine plus tard, soit le 10 octobre. Ça va être un workshop aussi, donc formule workshop pour les Rogues cet automne sur Istio. Donc, on a relâché, puis je vais en parler tantôt, un nouveau produit avec OpenShift appelé Service Mesh, qui est Istio en fait, et même plus que Istio. On l'a relâché cet été. Donc, officiellement, Istio est officiellement supporté maintenant sur OpenShift 4. Donc, on a fait un workshop. Enfin, on a livré ce workshop-là au début, je pense que c'était au printemps. Avec Martin Sauvé à Montréal. On a eu des bons commentaires. Donc, Martin, je sais qu'il travaille sur une mise à jour sur le workshop. Donc, on va livrer ça le 10 octobre. Vous ne verrez pas tout de suite d'annonce. Enfin, on est limité en espace. Quand c'est des workshops, on ne peut pas malheureusement accueillir tout le monde. Tout dépend combien de personnes qui vont avoir sur la liste d'attente. On va peut-être le tenir deux fois. Mais bon, on fait un premier jet le 10 octobre. On limite à 40 personnes. Il y a des invitations, je vous dirais, privés qui ont été envoyés ou qui ont été envoyés. Mais dès qu'on a des réponses, les places qui sont disponibles, on les rend disponibles à tout le monde. Donc, quand vous allez voir l'annonce, tardez pas à confirmer, parce qu'on est limité à 40 places, puis je peux vous garantir que ça va se remplir très, très vite. Là, il y a de l'intérêt beaucoup pour Istio. Quoi d'autre? Les Ansible Meetup aussi, j'ai travaillé dans les dernières semaines à mettre l'agenda en place. J'ai les dates, mais j'ai pas les endroits encore. Oui, pour Québec, j'ai un endroit, c'est vrai. Donc, je commence. Ansible Meetup, ce qu'on a réussi à faire, ce qui est super bien, je pense que j'allais adorer ça. On a de la visite pour les Meetups, donc quelqu'un de nouveau qui va venir présenter. Ça va être en anglais, c'est un de mes collègues des États-Unis qui vient faire une tournée à Montréal et Québec. Et je suis très content de vous annoncer que ça va être Tim Apnel qui va venir présenter, qui est un des product managers d'Ansible. Je pense, un des plus anciens, même avec Ansible, qui est aussi auteur d'un des modules très utilisés dans Ansible qui s'appelle Synchronize. Donc, Tim va être avec nous. En fait, Tim va faire deux présentations au Ansible Meetup. Donc, les dates, 22 octobre à Québec, ça va être à la même place que la dernière fois. Et c'est Momentum qui nous offre les bureaux encore une fois, l'endroit. Et le 24 octobre à Montréal, 2 jours plus tard, parce que Tim passe la semaine à Montréal au Québec avec nous. Donc, le mardi va être à Québec et le jeudi va être à Montréal. À Montréal, j'ai un lieu à déterminer parce que je vais peut-être vous annoncer que le bureau de Montréal, on déménage. Donc, on finit notre bail dans le bureau actuel. Pour ceux qui sont venus à Montréal, vous avez vu comment c'est grand. On va diminuer en espace un petit peu. Là, on paye pour beaucoup trop grand à Montréal. Donc, on va se relocaliser, puis même plus centraliser à Montréal, au centre-ville de Montréal. Donc, puis probablement que ça va se faire dans le courant du mois d'octobre. Donc, le lieu est à déterminer. Si jamais vous connaissez des gens ou votre entreprise serait intéressée à héberger le Ansible Meetup de Montréal, n'hésitez pas à m'écrire. On est en recherche active d'un endroit. Donc, super. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va jusqu'à présent. Excellent. On va passer à la prochaine section, qui est la grosse section de la journée, en fait. J'avais commencé à travailler une petite démonstration, mais lorsque je regardais la quantité de nouvelles que j'ai pour vous aujourd'hui, je me suis dit, pour moi, je n'aurais pas le temps de me rendre à la démonstration. Bref, si on a le temps, je commencerai. Sinon, je pense que pas plus tard que 2 semaines, dans 2 semaines, je vais tenir un prochain épisode, parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup, beaucoup de matériel pour vous, beaucoup de choses qui se sont passées depuis 3 mois, choses super intéressantes. Donc, dans les nouvelles et trouvailles des dernières semaines, plusieurs choses. Je vais commencer avec mon préféré, mes nouvelles sur Ansible. Une grosse nouvelle qui est sortie pendant l'été. Et j'ai appris par mon collègue Eric qu'il s'en met des changements aussi dans Ansible. Donc, au niveau de la méthode, la façon dont
on vend une cibole. Donc, j'ai pas aucun détail, là. Je vais en avoir d'ici 2 semaines sans doute, j'espère. Mais bref, ça continue d'évoluer, une cibole. Une cibole est très hyper populaire. Je vous dirais, juste pour confirmer ce que je vous dis, je vous présente un petit article ici, en fait, de Forrester. Donc, je vais s'ouvrir la page et on va passer en grand écran. Oups, ça n'a pas marché. Et juste ici, on prend ça, désolé. Donc, c'est une nouvelle qui est sortie le 7 août à propos d'Ansible. Donc, je vais la mettre dans le chat aussi si vous voulez suivre en même temps, vous connecter à la page. En fait, j'utilise un petit plugin, un petit service qui s'appelle Marker. .to qui permet en fait de souligner du texte dans des pages web. Bon, je vais fermer tout ça. Un petit bug parce que c'est Marker de Gleven. Bref, ce que je vais vous présenter ici, en fait, c'est Leader. C'est Forrester qui a nommé Ansible comme étant un leader dans le domaine d'automatisation, plus précisément dans Infrastructure Automation Platform du dernier quart. Ce qu'on dit ici, c'est que Forrester a donné la note la plus haute à Ansible au niveau du Plan Enhancement, la vision, la façon dont Red Hat fournit son consulting, le training et le support de la communauté et l'approche du marché. Donc, Ansible est hyper bien coté. Par contre, pas par contre, mais ce qui est vraiment important à retenir ici, c'est ce qui est mentionné ici, donc selon Forrester. Ansible excelle dans l'orchestration et l'intégration avec les autres formes d'automatisation. Donc d'ailleurs, Ansible Security, pour laquelle je vais présenter, je faire des présentations prochainement sur Ansible Security. J'ai pratiquement terminé de monter ma présentation. Donc, et une des grandes forces, ce qu'on vise avec Ansible Security, c'est d'intégrer un paquet d'outils de sécurité. Alors que c'est difficile de les faire parler, Ansible va faire le gap. Donc, ce que Forrester note, c'est que l'intégration est super bonne avec Ansible. Et plusieurs clients référents sont mentionnés, remplacer leur outil d'automatisation actuel par Ansible. C'est ce que je peux vous confirmer, c'est ce que je vois beaucoup, beaucoup en ce moment. Plusieurs des clients que j'ai traités ont passé soit de Salt ou de Puppet vers Ansible dernièrement. Donc c'est une bonne nouvelle pour Ansible, ça montre le sérieux. Et dans les meetings, en passant avec IBM, Ansible ressort beaucoup, certes, beaucoup d'OpenShift, mais Ansible reste très, très populaire à ce niveau-là. Donc c'était la grosse nouvelle pour Ansible. Excusez pour marqueur, là, l'espèce de. Il fait une copie du site, mais on ne peut pas enlever les cookies, donc j'aurais peut-être dû le faire avant. Mais bref, c'est juste pour highlighter certains items de l'article. Autre article que je veux. Pas article, ouais, c'est un article d'un de mes collègues. Je le mets dans le chat encore une fois si vous voulez suivre avec moi. On va passer en grand écran. Lorsque je rencontre mes clients, les clients qui commencent avec à déployer du Red Hat Linux. Le défi numéro un de ces clients-là, je vous dirais, puis même pas juste ces clients-là, je vous dirais moi, mon défi au quotidien, lorsque je monte des démos avec REL, il y a toujours quelques opérations qu'on fait manuellement. L'opération de, entre autres, une des opérations, c'est d'enregistrer les machines au portail pour aller chercher des mises à jour. Quelque chose qu'on n'a pas à faire quand on utilise des distributions du monde de la communauté. Avec REL, bien sûr, il faut valider notre abonnement pour pouvoir aller chercher les mises à jour. Alors, j'ai un collègue ici qui a, en fait, je crois que c'est un collègue, je ne le connais pas personnellement, mais comme c'est sur redhat.com, je devine que c'est un collègue qui écrit ça, qui a ici, qui donne sa recette pour automatiser avec Ansible le fameux enregistrement au portail. Je suis en train de l'implémenter dans mon serveur, mon serveur, oui. Je suis en train de l'écrire dans un playbook pour l'implémenter dans mon serveur Tower. En fait, le but ici, là, c'est d'éviter d'avoir à taper Subscription Manager Register. Après ça, toute la poutine qui suit après pour aller chercher le pool ID et ainsi de suite. Les choses qu'on fait, qui sont plates à faire, qui sont longues à faire. Des fois, on se trompe, on oublie un caractère.
Donc ici, on vient en fait créer un playbook qui va automatiser l'enregistrement de la machine. Donc c'est pas très compliqué, là. Le playbook est vraiment pas compliqué, l'article est pas très long. Je peux vous dire que ça va vous permettre de sauver énormément de temps, de frustration, spécialement peut-être ceux qui commencent avec nos produits. Je trouve ça long, excusez. Enregistrer la machine. Moi, le premier, je vous dis quand je monte mes démos, des fois ça me tente d'être obligé d'enregistrer les machines. On n'a pas le choix, il faut le faire. Ce que je suis en train de faire, je vais vous le montrer probablement le prochain épisode. Je vais l'implémenter dans Tower. Pourquoi je le mets dans Tower? Qu'est-ce que Tower va rajouter de plus? Ben, en fait, avec Tower, je trouve que c'est beaucoup plus facile de gérer les clés d'encryption, gérer l'authentification aux machines. Alors, ce que je vais faire dans mon Tower, c'est que je vais créer une authentification générique. Donc, à chaque fois que je monte une machine, j'utilise tout le temps le même mot de passe. Donc, je vais créer ce générique-là dans cette authentification générique-là dans Tower. Donc, je vais me connecter aux machines au lieu de la clé SSH avec cette authentification. Qu'est-ce que j'allais dire? Authentification que je fais par défaut, là, le nom du le route et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. Et je vais faire rouler ce playbook-là pour que Tower enregistre la machine pour moi. Fait que de mon côté, au lieu de me taper les lignes de commande, je vais demander à Tower de faire le travail pour moi. Comme c'est une nouvelle machine, je n'ai pas encore de clé SSH à partager. Donc c'est pour ça que je vais y aller de cette façon-là. Je pense que ça va être super. Je ne l'ai pas essayé encore, mais je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc si c'est quelque chose qui vous tente d'enregistrer vos machines, vous avez une base ici où partir. Et si vous avez Tower ou AWX, encore une fois, possible encore de juste avoir un bouton, on clique sur le bouton, puis ça se fait pratiquement tout seul. Donc c'est une belle article ici. J'ai trouvé que ça adressait vraiment un bon pain point qu'on a souvent lorsqu'on commence à travailler avec elle ou lorsqu'on a enregistré des machines régulièrement, manuellement. C'est tannant ces opérations-là. Donc, grâce à Ansible, on va éviter de faire ça manuellement. Donc, ça va, toujours pas de questions. Vous êtes tranquille, c'est bien, c'est bien. Je devine que c'est clair. Prochaine nouvelle, autre nouvelle qui est sortie, tiens, j'ai pas la date, mais on va la regarder ensemble, c'est sur, mais ça sur Twitter que j'ai vu passer quelque part cet été, si je ne me trompe pas. Donc, je vous mets ça à l'écran. Donc, de Matthew Miller, qui en fait, qui était au Flop to Fedora, je pense, c'est un événement Fedora. J'ai-tu la date ici? Oui, le 8 août. Et qui écoutait une présentation de quelqu'un chez Facebook qui parlait d'utilisation de Linux chez Facebook et qui a montré ici, au travers le temps, quelle distribution les développeurs utilisent de Linux, les développeurs de Facebook, pardon, utilisent chez Facebook. Et regardez, le graphique parle beaucoup. Une bonne diminution d'Ubuntu, mais quand même une très forte progression de Fedora. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire que chez Facebook, il y a beaucoup, beaucoup. C'est une grosse compagnie, beaucoup de monde. Donc, puis ça a quand même un impact. Lorsque Facebook fait quelque chose, généralement, il y a beaucoup de gens qui vont suivre ce que Facebook fait. Donc, et pourquoi Fedora est devenu plus populaire chez Facebook? Alors, c'est un petit peu expliqué ici, là, juste la highlighter. En fait, pour plusieurs raisons, mais la première, c'est vraiment la connexion avec l'écosystème. Je n'ai pas de détails de l'écosystème, mais si on regarde ce qui se fait sur le marché, OK? Les containers. Donc, il y a peut-être un lien ici avec ce qu'on fait au niveau container, avec Podman, avec Builda, avec OpenShift. Donc, je devine, c'est ma lecture, mais je n'ai pas de détails. Et regardez ce qui est le fun un petit peu plus loin. Et juste ici, Graham, qui travaille chez IBM, là, qui dit qu'ils ont sensiblement fait la même chose aussi. Donc, c'est le fun de voir que Facebook qui a quand même une influence très grande dans ce qu'on fait sur le marché aujourd'hui, délaisse un petit peu Ubuntu pour aller vers ce qu'on fait de bien chez Red Hat, notre distribution Linux et notre version desktop qui est Fedora aussi maintenant.
Donc c'est une bonne nouvelle pour Fedora. Moi, j'utilise Fedora au jour le jour. J'adore. Je changerai pas ça du tout. De version en version, ça va super bien. La version 31 de Fedora s'en vient. Je pense que ça va être annoncé la semaine prochaine, la version bêta, pour une version finale, quelque part, à la fin octobre. Donc, généralement, il y a une release, je crois, à l'Halloween. C'est ça, le coin de l'Halloween. Donc, on pourrait s'attendre à un Fedora 31 à ce niveau-là. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Fedora de voir que des influenceurs comme Facebook utilisent de plus en plus Fedora. OK, quoi d'autre pour vous? Oui, un autre super prix qu'on a gagné dernièrement chez Red Hat. OK, et ça, en fait, ça confirme, pas ça confirme, mais ça vient mettre, oups, je ne vais pas copier le lien comme il faut. Oups, c'était ici. Sont pas très longs. Je vais partager ça ici. Donc, notre portail client qui a reçu encore un prix, donc fait partie des meilleurs sites web de support pour une 9e année consécutive. Écoutez, j'utilise le site de support à tous les jours chez Red Hat. Je suis un habitué. Je pense qu'Eric, qui est avec nous aujourd'hui, l'utilise beaucoup aussi, beaucoup plus que moi. Souvent, je lui demande de l'aide et il m'arrive avec un article sur notre site, notre knowledge base. Donc, mais bref, j'utilise à tous les jours. Pour moi, c'est sûr que je n'ai pas à travailler avec les autres sites de support, mais c'est le fun qu'on ait une reconnaissance de même, parce que c'est ce qu'on vend chez Red Hat. On vend du support surtout. Donc, de voir qu'on est récompensé, puisqu'on offre une belle expérience aux clients, c'est toujours le fun, flatteur de l'industrie de nous remettre sur ce prix-là. Écoute, peut-être que vous pouvez confirmer ici si vous avez une bonne expérience ou pas avec notre site, notre portail client. Et peut-être aussi si vous avez, vous voulez aussi comparer avec d'autres. Je ne sais pas comment ça se passe avec Oracle, avec Microsoft ou avec d'autres produits que vous utilisez. Mais si vous avez des différences, vous voyez des choses bien ou des choses moins bien ailleurs, moi je serais super intéressé de savoir. Encore une fois, je n'ai pas la chance dans mon travail au jour le jour, je travaille avec juste une affaire pratiquement, c'est ce portail-là. Je n'ai pas à aller me promener beaucoup sur les autres portails de support des autres compagnies. Bref, c'est une belle reconnaissance qu'on a encore pour 9 ans en ligne. C'est très, très bien. Le 14 août est sorti EPL 8. Donc, on va regarder ça ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas EPL, entre autres, je vais aller sur le marqueur qui est juste ici. Je vais vous envoyer ça à l'écran. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas EPL, EPL, c'est un repo qui a été construit en fait pour attacher à Red Hat Enterprise Linux. Et c'est des paquetages que vous ne retrouverez pas dans la plateforme RHEL ou dans les différents channels de RHEL qui ont été construits en fait par la communauté. Donc, le but d'EPL, c'est de rendre plus de logiciels disponibles à notre plateforme Enterprise Linux. Donc, elle est sortie pour 8 cet été. Et ce qu'on a de nouveau qui est intéressant, il y a un nouveau channel qui s'appelle Playground, qui ressemble beaucoup à Fedora Rawhide. Fedora Rawhide, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le canal qui permet de, quand vous vous attachez à votre Fedora Rawhide, vous recevez vraiment les patchs quasiment au jour le jour, là. C'est vraiment un peu de l'expérimental. Donc, vous allez retrouver l'équivalent avec EPL 8. Et regardez la nouvelle architecture. Ici, on a l'effet IBM tout de suite qui s'est fait sentir. Donc, une architecture mainframe pour le EPL. C'est la première fois qu'on voit ça. C'était très demandé. Mais je dirais qu'on avait peut-être du côté Red Hat moins de cycles pour consacrer à la plateforme. Mais avec l'acquisition d'IBM par l'acquisition de Red Hat par IBM, pardon, faut pas que je me meuf, faut pas que je fasse l'inverse. Enfin, une petite parenthèse, on a beaucoup ri, je pense que c'est la semaine dernière, moi puis Alex Gendron, un client qui est arrivé quelque part cet été et qui parlait à un partenaire, je crois, là, je n'ai pas l'histoire exacte, mais qui disait « Hey, Red Hat a acheté IBM ».
On a bien ri avec ça, là, parce que mathématiquement, là, c'est pratiquement impossible. Comment Red Hat aurait pu financer un tel achat? Mais bref, c'est comique, là, on rit des fois avec ça. Fait qu'il faut que je fasse attention, moi aussi, pour faire la même erreur. Donc oui, nouvelle plateforme qui est le mainframe. Et vous allez voir avec l'acquisition Red Hat par IBM que IBM va mettre beaucoup d'efforts dans le port de tout ce qu'on fait, comme pratiquement une grosse partie de nos produits, vous allez les voir portés sur plateforme. Il y en avait déjà, mais il va en avoir plus. Du côté du mainframe et du power, il va y avoir vraiment un boost. Donc, si vous êtes amateur de la plateforme du mainframe et l'amateur de power, ben, l'acquisition que IBM a fait de Red Hat, ça va être bénéfique pour vous. Vous allez avoir plus de logiciels supportés, plus d'efforts mis à ce point. Donc, c'est intéressant. Et je sais qu'à l'occasion, il y a des gens qui m'écoutent et qui opèrent des mainframes. Donc, je pense entre autres à Vincent. Donc, je pense que Vincent, c'est quelque chose que tu vas apprécier. Donc, c'était une autre nouvelle intéressante de voir un PL8 dans un sorti et de voir son évolution aussi. OK. Ici, Trouvaille, ici, j'ai un petit scoop pour vous. Ça n'a pas été annoncé encore officiellement par Red Hat. Je pense qu'il y a une campagne marketing qui s'en vient là-dessus, mais le site est disponible. Et je vais prendre le temps aujourd'hui de vous le présenter. De mon côté, je n'ai pas été trainé encore à ce nouveau service-là qu'on lance, mais je pense que vous allez adorer. Mon training s'en vient avec le Tech Exchange au mois d'octobre. Donc, je me déplace à Orlando avec tous les gens des services, quelques personnes du support. Donc, on va passer une semaine technique ensemble, voir les roadmaps, faire des labs. Et justement, on va explorer et approfondir ce qu'on vient de lancer comme nouveau service ici. Donc, c'est un scoop, encore une fois. Je ne pense pas que ça a été annoncé. Mais hier, j'ai fait un appel avec, en fait, je pense que je ne l'ai pas dit. Quelque part au printemps, début de l'été, on m'a demandé de joindre une équipe chez Red Hat qui, en fait, sont les Trusted Advisors pour RHEL. Donc, on est une communauté d'une quarantaine de personnes dans le monde qui se réunissent à tous les semaines, à tous les jeudis, pour discuter. De RHEL, vers où on s'en va avec RHEL, je parle de Red Hat Enterprise Linux, là, vers où on s'en va. Et on discute vraiment un peu point par point là, des grandes directions de RHEL. Puis on passe nos commentaires, on explique un petit peu ce qu'on a vu sur le marché, est-ce que ça fait du sens ou pas. Donc hier, ça nous a été présenté, ce service-là, dans cette rencontre-là. Et ça a été mentionné qu'on peut déjà en parler à nos clients. Donc, un scoop pour vous aujourd'hui. Donc, ce sont des labs virtuels pour RHEL. Donc, je m'en viens ici. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, vous désirez migrer à RHEL 8, mais vous n'avez pas vraiment pris le temps d'installer le RHEL 8 pour vous amuser avec les nouvelles fonctionnalités. Donc, on vous offre un lab en ligne sur les nouvelles capacités de RHEL 8. Comme celle-là, il y en a 9. On pourra en voir plus s'en venir. Oups. Je vais aller sur la page ici. Donc, lab.reda.com. Donc, comme je disais, il y en a 9. C'est des scénarios. Et ce qui est vraiment cool, par exemple, je veux voir, je veux comprendre qu'est-ce que la Web Console, qui est Cockpit, en fait, m'offre de plus dans RHEL 8. J'ai le scénario qui démarre. Et ici, je veux porter votre attention. Là, c'est fourni par une compagnie qui s'appelle Katacoda. On va aller le voir tantôt le site. Vous allez voir, c'est super intéressant ce qu'ils font. Donc, on va partir le scénario. Ça dit ici qu'est-ce qu'on va apprendre dans le scénario. On part le scénario et Katacoda nous offre un environnement interactif pour pouvoir tester cette nouvelle capacité-là ici. Donc, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est une console interactive. Et si vous ne voulez pas taper les commandes, là, je n'ai pas de commande ici, là, mais on va faire un petit continu. Je n'ai pas pris le bon pour vous montrer, là, mais bref, c'est un training ici qui vous présente la Web Console. Je n'ai pas vraiment besoin du terminal. Donc, la Web Console qui est juste ici. Donc, si je recule, on va se loguer dans la console Web, qui est une console Web qui tourne sur RHEL 8, bien sûr. Le tout doit être quelque part sur Amazon ou Azure. Donc, j'ai ma console Web. Et là, je suis les indications ici. Allez voir Software Update. Et ainsi de suite. Donc, c'est super bien fait, c'est gratuit et on en a pour tous les goûts.
Donc, si je recule maintenant, ici, je vais juste aller vous en montrer un autre. Oh, un petit problème. Je vais reculer ici. Je vais quitter ça. Je ne vais pas traduire. Tiens, je vais en faire un en ligne de commande. Je vais vous montrer quelque chose en ligne de commande qui est très, très bien. Okay, souvent, on veut tester quelque chose de rapide. On ne veut pas nécessairement tout taper. Tout taper les commandes. Un petit lag ici. Allez, allez. Donc ici, il monte un environnement. Je devine que c'est une coupe de VM qui sont démarrées en arrière. C'est pour ça que c'est un petit peu plus lent. Mais bon, je ne pourrais pas vous montrer pendant qu'il continue. Ah, c'est terminé. Donc ici, en fait, ce que je voulais vous dire, dans l'environnement interactif, on peut taper les commandes si on veut. OK, mais ça peut être long. Ça ne vous tente pas de taper les commandes, vous les testez rapidement. On fait juste cliquer ici. Ça tape la commande pour vous. Donc, super intéressant. Vous allez voir sans doute cette offre-là bonifiée. Bonifiée avec le temps. Mais encore une fois, c'est une nouveauté. Et je sais qu'on en regarde aussi de notre côté pour extraire ça et offrir, afin de pouvoir offrir des workshops spécifiques en utilisant ce qui a été construit ici. Là. Mais en tout cas, ça, c'est pas fait encore. Bref, c'est un super le fun. Je pense que je vous invite à aller jeter un œil. Si vous voulez, si vous n'avez pas commencé à jouer, du moins avec REL 8, vous avez la chance ici très rapidement. Puis en plus, vous êtes accompagné sur comment le configurer, comment l'utiliser, comment le tester. Donc c'est super le fun. Donc lab.redhat.com. Ce que je veux vous montrer aussi, je l'ai dessus, ouais, ici. Donc le fournisseur de ce site-là s'appelle katacoda.com. Et regardez sur leur site, ok, il n'y a pas juste Red Hat, il y en a une panoplie de cours qui sont gratuits. 34 scénarios sur Docker, 17 scénarios sur Kubernetes. On a un nouvel abonné. Merci, merci. Ça fait un petit bout. Merci, je ne vois pas c'est qui. Dave33D. Donc, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne. C'est le fun. Oui, c'est ça. Donc, on a Docker, on a Kubernetes, on a plein de choses. Donc, c'est pas juste Red Hat que vous retrouvez là-dessus. Plein de training accompagné avec une petite machine virtuelle qui roule. Donc, c'est vraiment une belle façon d'apprendre ces technologies-là. Donc, je vous invite à aller jeter un œil. Oups, je viens de voir de quoi d'intéressant. Je n'avais pas vu TensorFlow pour tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, quelque chose que je vais aller essayer, c'est sûr. Donc, vraiment, super bien. Katacoda. Donc, encore une fois, belle découverte cet été pour moi, du moins. Est-ce qu'on a des questions? Oui, des questions. Ok, là, mon autre abonnement, merci, merci. Bin Lin 1. Les noms sont difficiles, les noms que vous utilisez sont difficiles à prononcer. Donc, il y a des personnes en anglais qui m'écoutent. J'espère que c'est pas trop difficile pour vous de comprendre ce que je dis. Il faudrait que j'aie une traduction en temps réel. Ok, donc, si je continue, qu'est-ce que j'ai d'autre comme nouvelle pour vous? Oui, Python, on va parler un petit peu de Python. Python, pendant l'été, j'ai essayé de mon côté, puis je pense que j'avais parlé là, voilà quelques divisions dans le passé, que c'est un endroit où je vais mettre de l'effort, un peu plus d'effort, donc à améliorer mes skills Python. J'ai commencé un petit peu cet été, je vais vous présenter un livre dans quelques instants, un livre que j'ai commencé à lire qui est super intéressant sur Python. Mais bon, il y a une nouvelle qui est sortie tout dernièrement. OK, et qui va un peu donner. Oups, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Donc, donner raison un petit peu pourquoi, dans mon cas, j'ai choisi d'approfondir Python au lieu d'un autre langage de programmation. De un, du côté Red Hat, on est très impliqué dans Python. J'ai plusieurs collègues qui travaillent sur des projets Python. Je ne sais pas si David est avec nous aujourd'hui. Et David, mon collègue David Simard, qui développe ARA, si je me souviens bien, tout est en Python. Donc Python a été classé, encore une fois, un des langages, le langage le plus populaire aujourd'hui.
suivi par Java avec 96,3%. Ici, c'est un comparatif, en fait, là, c'est pas 100%, 100% des gens qui utilisent Python, c'est plutôt le langage le plus populaire a été noté avec une note parfaite et les autres suivent avec la différence. Donc Java est arrivé deuxième, C, C++. Java, si vous regardez Go, dixième. Donc je sais que Go est populaire, mais on a l'impression qu'il est très populaire, mais si on le compare avec Python, on est presque à mi-chemin avec Python. Donc c'est ça. Donc de mon côté, j'essaie de mettre de l'effort dans Python quand j'ai des moments libres. Mes moments libres sont difficiles, mais j'essaie d'en mettre un petit peu à chaque jour. En fait, je le fais, pas chaque jour, à chaque semaine, pardon. J'en fais profiter mon fils en même temps. Des fois, je m'assois le soir avec mon fils, on fait quelques exercices Python ensemble, parce que je trouve ça important pour mon fils qui adore l'informatique, seulement 13 ans, qui s'en va vers le futur, pas qui s'en va vers le futur, mais qui va grandir éventuellement et va être sur le marché du travail. Je pense qu'il va s'en aller en informatique. Il adore l'informatique. Je ne sais pas de qui il prend ça. Donc, Python est encore très populaire et je pense que c'est un bon atout à mettre dans sa poche, peu importe ce que vous faites en informatique. Comme Python est populaire, je devine que après ça, c'est très facile de se trouver un emploi. Parce qu'au moins, on connaît un langage, mais quand le langage le plus populaire. Donc, ce que je voulais vous dire à propos de Python aussi, j'ai un ancien collègue qui s'appelle Julien Danjou, qui a écrit un livre, un excellent livre. Donc, je vais le taper ici. Puis qui a été mis à jour l'an passé. Son livre s'appelle. Où se cache-tu? Serious Python. En fait, qui est anciennement, je pense que ça s'appelait le Hacker Guide du Python. Donc, c'est le livre que j'ai acheté cet été. J'ai commencé à lire. C'est pas. Oups, je peux savoir ça. Je vais fermer ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas un livre pour les débutants. Il faut connaître Python. Mais on n'a pas besoin d'être très avancé. Justement, ici, dans Serious Python, on va donner. Julien donne des très bons trucs sur quoi faire et ne pas faire avec Python. Vraiment beaucoup de commentaires, là. Julien est un développeur Python pour OpenStack, entre autres. Il fait ça à temps plein depuis plusieurs années, développant Python. Donc, c'est. Il a déjà passé chez Red Hat, je pense qu'il est resté 2 ans chez nous, pas très longtemps. Mais bref, et ce qu'il fait de vraiment bien dans son livre, c'est qu'il a pris des commentaires à la fin de chaque chapitre, ou presque. Il y a des commentaires de développeurs Python. Ils disent c'est quoi la force de Python, c'est quoi sa faiblesse, qu'est-ce qu'il devrait être fait pour être corrigé. Hyper intéressant ce qui a été rajouté ici. Donc, j'invite à faire l'acquisition. C'est pas très cher. Où on peut l'acheter? Je vois pas le Python. Il semble que l'autre fois, je l'ai acheté, puis ça a été facile, mais c'est peut-être parce que j'essaie de. Je le vois pas. Bref, je pense que ça m'a coûté 19 $ pour acheter le livre en format numérique. Je sais pas si vous êtes comme moi. C'est de plus en plus difficile d'acheter. Peut-être que je mens, si vous regardez ma bibliothèque en arrière, là, mais. C'est de plus en plus, pas difficile, mais d'acheter des livres papier, ça devient. J'ai l'impression qu'on vient en arrière quand j'achète un livre papier. Tout est tellement rendu numérique. Et j'ai une petite tablette Kindle. J'adore lire avec ça. C'est pas pesant. Ça fit dans une main. C'est le fun de tourner des pages. Ça sent bon. On est habitué à ça. Mais à quelque part, quand tu as tout à la portée de la main, puis d'un seul doigt, ça vire. Tu peux mettre des marque-pages très facilement. Donc, moi, je préfère maintenant les méthodes numériques, facile de faire du copier-coller aussi dans le code. Donc, bref, un bon livre à lire si vous êtes intéressé par le Python, vous êtes intéressé à avancer dans Python. Je n'ai pas terminé de le lire, en fait, je lis chapitre par chapitre. Quand je vois qu'il y a un chapitre, oh, je ne suis pas rendu là dans mon apprentissage Python, je le mets de côté. Puis c'est un livre qui peut se lire très bien de cette façon-là. Donc, on lit seulement chacun le chapitre qui nous intéresse, en fait. Donc, bref, c'est une petite plug pour Julien ici, son livre qui est excellent. OK, quoi d'autre? Dernière chose, oui, quelque chose que je n'ai pas eu le temps d'essayer, mais je pense qu'il va vous plaire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça vient de sortir, c'est tout chaud.
Je vais vous le présenter. En fait, je vais vous mettre un lien ici. On ira voir le lien tantôt. C'est quelque chose qui était hyper attendu, je pense, par tous. Être capable, par tous. Les gens qui sont intéressés par OpenShift, je dis pas tous parce que c'est pas tout le monde. Ça peut pas plaire à tout le monde, définitivement, OpenShift. Par contre, c'est très populaire ces jours-ci. Puis je sais que plusieurs d'entre vous avaient déployé OpenShift ou étaient en train de le faire. Donc, OpenShift 4 qui est sorti au Summit l'été passé. S'il y en a qui ont essayé de l'installer on-premise sur leur laptop, très difficile, en fait pratiquement impossible. Donc, on a relâché un nouveau produit, une nouvelle offre qui s'appelle Code Ready Container qui permet d'installer OpenShift 4.1 sur votre laptop. OK? C'est quand même assez gourmand, le 4 vCPU, 8 Go de RAM, 35 Go d'espace, mais je devine si votre portable est récent ou peut-être de 2-3 ans, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir le déployer facilement. De mon côté, je ne l'ai pas essayé. Parce que c'est sorti, je pense, ça fait une semaine. Si je regarde la date, j'ai dessus la date. 5 septembre, effectivement. Exactement une semaine. Donc, je n'ai pas eu trop pris avec le travail et les travaux à la maison que je suis en train de faire. Donc, je n'ai pas eu le temps d'essayer, mais je compte le faire vraiment prochainement. Par contre, j'ai eu des feedbacks, des excellents feedbacks de mes collègues qui l'ont essayé. Je pense que c'est deux lignes de commande. Et vous attendez et vous avez OpenShift 4 fonctionnel sur votre laptop. Donc, si vous l'explorez, OpenShift 4, l'apprendre, vous amuser avec. Enfin, il y a quelque chose qui nous permet de le faire, ce qui n'était pas facile à faire si on recule un petit peu plus tôt cet été lorsqu'on l'a relâché. Et ça va être mis à jour à 4.2, 4.2 qui s'en vient là, d'une semaine à l'autre, si je ne me trompe pas. Donc en fait, CRC Setup, CRC Start, de ce que je peux voir, mais je ne l'ai pas essayé. Je n'ai pas le détail. Et une fois qu'on est dans OpenShift 4, c'est les commandes traditionnelles. Donc, vous avez, je peux mettre le lien ici, puis je vous ai mis un autre lien. OK. Je vais juste ça. Mettre ça ici. Donc, Getting Started Guide, en fait, comment démarrer avec, pour pouvoir installer Code Ready Container. Code Ready Container. Comment je l'ai appelé? Code Ready Containers, eh oui, c'est bien comme ça se dit, comme ça se prononce, Code Ready Containers. Donc si vous l'essayez, donnez-moi des nouvelles. Moi, c'est quelque chose que je vais faire. Ma liste est longue de choses à faire. Je sais pas, c'est pas une priorité absolue. Là. Je vous dirais que j'ai d'autres événements qui s'en viennent qu'il faut que je prépare, mais c'est sur ma liste. Et je devrais faire ça prochainement. J'espère d'ici le prochain épisode, je pourrai vous en parler plus en détail de ce qu'il y en est. Donc, ça met fin à mes trouvailles nouvelles de l'été, je vous dirais. Beaucoup de choses, comme vous pouvez voir. J'en ai enlevé. J'en avais d'autres. J'en ai enlevé quelques-unes. Je m'en suis gardé, en fait, dans 2 semaines. Je vais terminer la journée, la session d'aujourd'hui avec... il reste à peu près 10 minutes. Et malheureusement, je dois vraiment arrêter à 12h30. Il faut que j'aille rejoindre ma fille à son école. Donc, je ne pourrais pas dépasser aujourd'hui. Des fois, je dépasse. Je vais terminer avec une dernière section qui est les dernières sorties de nos produits. Beaucoup de sorties pendant l'été. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de suivre ce qu'on a fait cet été chez Red Hat. Malgré l'acquisition d'IBM, le développement n'a aucunement ralenti. Donc, des sorties importantes cet été. Donc, tout d'abord, Red Hat OpenStack 15 qui est en bêta. Encore une fois, je reviens sur OpenStack parce que j'ai eu la chance dernièrement de m'y remettre. J'ai été plusieurs mois pas touché du tout OpenStack. Et avec le RFI du gouvernement, j'ai mis les mains dedans, j'ai joué à l'intérieur, j'ai discuté avec mes collègues qui sont sur le projet OpenStack. Donc avec 15, qu'est-ce qui s'en vient? L'intégration avec Red Hat Enterprise Linux 8. Donc si vous voulez installer OpenStack avec Red 8, ça va être possible avec la version 15. Je vous dirais la grosse nouveauté d'OpenStack, c'est qu'on va être 15, on va être capable d'aller chercher la capacité de calcul dans les GPU, donc au travers de ce qu'on appelle le VGPU. Donc intéressant. Et sinon, OVN va remplacer OVS, donc un bon changement au niveau de la mécanisme, au niveau des réseaux virtuels.
Donc, il va donner une meilleure flexibilité. Donc, ça, c'est les grosses thématiques de OpenStack 15. C'est sûr qu'il y a un paquet de petites affaires, mais je voulais vraiment juste prendre quelques minutes pour vous dire les grandes thématiques d'OpenStack 15 qui s'en vient très prochainement. RHEL 8.1 en bêta, qui est sorti le 24 juillet, pour un 8.1 qui va être relâché quelque part cet automne, officiellement. Je dirais pas de gros changements, beaucoup de corrections de bugs, une amélioration de la console web, donc de cockpit, la web console maintenant qu'on appelle avec sur Red Hat 8. Donc, des améliorations à ce niveau-là. En fait, au niveau des machines virtuelles, on a commencé la conversion, pas la conversion, mais le transport, la migration de Virt Manager dans le cockpit. Donc, vous allez avoir plus de capacité pour gérer vos VM dans le cockpit. Quoi d'autre? Un paquet de nouvelles applications stream. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai présenté les applications stream, ça fait plusieurs mois déjà sur mon channel. Donc, plus d'applications stream qui vont apparaître, plus de logiciels qui vont être disponibles, plus de logiciels à jour. Donc, ça, c'est la promesse qui a été faite avec RHEL 8, vous offrir une meilleure expérience pour des logiciels beaucoup plus à jour. Et quoi d'autre? Image Builder. Qui permet de construire son image. J'en ai fait de la démonstration aussi un petit peu plus tôt cette année, au travers de mes épisodes. Va être bonifié. Vous allez pouvoir gérer les usagers, gérer les clés usagées que vous allez insérer dans vos images. Donc, ça aussi, ça reçoit beaucoup d'amour dans RHEL 8 et de nouvelles plateformes web supportées. Donc, c'est pas, je vous dis, 8.1, c'est vraiment de la correction de bug. Stabiliser le plus possible RHEL 8, le rendre. Encore plus apte à rouler vos applications de mission critique, c'est le but de la plateforme. RHEL 7.7 qui est sorti le 6 août. Vraiment, on est sur les derniers milles des améliorations de RHEL 7. Pas grandes améliorations de la correction de stabilité au niveau de RHEL 7. Satellite 6.5.2 qui est sorti aussi un petit peu plus tôt, en fait au mois d'août, 6 août. Vous parlez un petit peu aussi de CloudForms. CloudForms, ça a passé un petit peu en dessous de la couverture, là. On n'a pas fait de grosses annonces autour de ça, mais c'est une nouvelle version de CloudForms, la version 5, qui est sortie le 13 août en bêta. Encore une fois, c'est du bêta. CloudForms fait une transition tranquillement vers de la gestion on-premise seulement. Donc, on commence à retirer le déploiement de CloudForms dans les clouds publics. Donc, CloudForms, vraiment, vers où on s'en va? C'est une gestion plus locale. Ce sont des gars de local. Sont des gars. Des gars. Je suis en train de lire ce qu'Eric vient de m'écrire. Donc, CloudForms qui va gérer plus des charges maintenant locales, que ce soit VMware, Rev ou OpenStack. On est encore capable de se connecter à Azure. Excusez pour le bruit, là, il y a des réparations dans la maison. Je ne sais pas si vous entendez, là. Il y a quelqu'un qui scie en ce moment. Donc, désolé. Donc, CloudForms va se focusser sur ça. Il va se connecter à notre service en ligne pour compléter, en fait, notre cloud.redhat.com pour faire une meilleure gestion de ce qui se fait du côté cloud public. Donc, il va y avoir un travail qui va se faire. On devrait avoir un petit peu plus d'annonces cet automne avec CloudForms et l'intégration avec cloud.redhat.com. Satellite 6.6 qui est sorti en bêta. J'ai participé à un lab, j'ai participé à la construction d'un lab interne sur 6.6 bêta. Ben, en fait, participer. Le Product Manager, en fait, va présenter 6.6 au Red Hat Tech Exchange un petit peu plus tard cet automne. Il nous a demandé de valider le lab, donc j'ai fait le lab au complet. Donc, des belles améliorations qui s'en viennent dans Satellite 6.6. En fait, ce que je vais faire, je vais me garder ça dans le prochain épisode. Je pense que ça va vous intéresser. En fait, on va venir compléter. Je vous dirais ce qui est intéressant que c'est ce point-ci. On va venir compléter vraiment l'intégration Ansible, là, vraiment pouvoir se passer de Puppet. Autre sortie importante, le 21 août, Ceph 3.3. J'ai déjà fait l'annonce aux gens de l'Université de Laval qui utilisent Ceph de façon assez importante dans le projet pour le Data Scientist. Donc, support des 10, 12 terabytes, c'est maintenant officiel. C'était quelque chose qui était demandé, mais qui était offert en exception de support maintenant avec Ceph 3.3 depuis le 21 août. Vous pouvez mettre des 10 de 12 terabytes dans vos machines Ceph. Deux dernières petites choses avant de terminer, en sortie très importante, le 22 août, et je peux vous mettre, ça fait pas très longtemps, je peux vous mettre ici en référence. Oups, j'ai perdu ma page. Donc, voilà, c'est un long lien. C'est
C'était très attendu. J'en ai parlé un petit peu au début de mon épisode aujourd'hui. On lance un nouveau service qui s'appelle Service Mesh, donc OpenShift Service Mesh, qui est Istio. En fait, c'est Istio, j'aurais dû souligner, Kali et Jagger. Donc, ils vont vous permettre d'aller chercher, d'améliorer la gestion de vos microservices, donner plus de flexibilité, donner la possibilité de voir ce qui se passe en temps réel dans les communications et de contrôler aussi les communications entre vos différents microservices. C'était très attendu, ça faisait longtemps qu'il était en bêta. On avait des compétiteurs qui avaient commencé à le supporter avant nous autres. Je vous rappelle que chez nous, on focus beaucoup sur la qualité assurance lorsqu'on livre un produit et on considérait que Istio n'était pas stable encore pour être supporté. Mais depuis le 22 août, on a une offre officielle. On le supporte avec OpenShift.4. Question que j'ai souvent, est-ce qu'on va le supporter avec OpenShift 3? Pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté. Mais pour l'instant, il n'y a rien autour d'OpenShift 3. Ça prend OpenShift 4 pour être supporté. Donc, c'est à suivre pour OpenShift 3, là, qu'est-ce qui va se passer, mais je ne fais pas aucune promesse. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Est-ce qu'on le supporte avec OpenShift 3? Et dernière sortie, en fait, un petit peu plus tôt cette semaine, Quay 3.1, qui est notre registre d'images entreprise pour lesquels on a un scanner de vulnérabilité inclus dedans pour scanner vos containers qui sont stockés sur Quay. Donc, oui, on déploie des containers aujourd'hui, mais on veut que ça soit sécurisé. Donc, Quay est une belle ajout à OpenShift, donc c'est un produit à part. Quay, j'ai l'intention de vous le présenter éventuellement dans un prochain épisode. Je sais que c'est pas beaucoup de monde qui sont au courant qu'on a un registre d'entreprise ici. Donc, Quay est très fort au niveau pour scanner vos containers, mais aussi pour répliquer vos registres dans des sites différents. Donc, c'est les forces de Quay. Donc, on aura la chance d'en discuter éventuellement. Donc, il me restait à l'horaire que j'ai presque réussi à livrer tout ce que j'avais à livrer. Il me restait ma démo, mais là, à 3 minutes de la fin, je n'embarquerai pas dans une démo. Je vais la reporter à la prochaine épisode. Donc, c'était la démo de Access Insight. Avec Access Insight, on offre un API. Donc, vous pouvez manipuler les données à l'intérieur d'Access Insight grâce à l'API. Je dirais que l'API n'est pas aussi riche que les autres produits. Pas aussi facile à manipuler. Donc, je vais donner des petits trucs à ce niveau-là. En utilisant un container et en utilisant Podman, en fait, pour lancer un container pour manipuler l'API d'Access Insight. Mais on va refaire ça prochainement. C'est promis, c'est une belle petite démonstration, pas très longue. Mais je sais que plusieurs d'entre vous, depuis qu'on inclut Access Insight avec REL, ont commencé à utiliser Access Insight. Et d'être capable de manipuler le pays, je pense que ça peut vous donner un coup de main dans la gestion de qui est connecté et quelle machine est connectée et faire du ménage une fois de temps en temps. Donc, on va revenir sur ça, je vous promets, à la prochaine épisode. Donc, en conclusion, j'espère que vous avez apprécié. Je vois qu'il y a des personnes qui sont branchées. Donc, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler, je reprends la cadence. J'ai été 3 mois arrêté, mais je reprends la cadence aux 2 à 3 semaines, là, dépendamment du contenu que j'ai. Je sais que dans le passé, j'ai fait beaucoup du 2 semaines, mais les 2 semaines, ça revient vite. Donc, le but, c'est de vous offrir beaucoup de contenu, du contenu intéressant. Et habituellement, je fais une petite démonstration, mais là, j'ai manqué de temps parce qu'il y avait trop de nouvelles cette semaine. On reprend ça définitivement d'ici 2 semaines. Donc, je reprends la cadence aux 2, 3 semaines. Toujours les vendredis, sur l'heure du midi, je pense que ça arrange les gens qui peuvent me suivre en direct. Donc, j'espère que vous allez être là. Sur ce, je vous souhaite un super bon week-end. Je sais qu'il n'annonce pas terrible ici à Québec, là, ça va être gris. Peut-être le temps de jouer à des jeux de société en famille. C'est un bon moment. De notre côté, on adore faire ça. Donc sur ça, on se dit, je crois, dans 2 semaines. Je le reconfirme par courriel pour ceux qui sont abonnés à ma mailing list. Je confirme ça. Merci. Bye tout le monde. Bon week-end.